possible. C'est pas possible, c'est pas possible. C'est pas possible, les gars. C'est pas possible, c'est pas possible, c'est pas possible. C'est pas possible, c'est pas possible, c'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas. Ah, Seigneur. Ah. 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 C'est pas vrai. Ah. Nicolas bébé tombe. Ah, c'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Qu'avons-nous fait? Qu'avons-nous fait pour mériter une équipe aussi nulle? Aussi nulle! Nicolas Pépé tombe! Nicolas Pépé tombe. On te demande de tomber. Tombe sur mon temps. Tu veux dribbler gardien. Nicolas Pépé, j'ai parlé, on t'a mis dans le mail. Tombe. Tombe. C'est pas. Je sais pas ce que nous on a fait. Moi je sais pas. Les gars, mettez les pieds. Je sais pas ce qu'on a fait à ces jeunes là. Jouer avec tout le sentiment d'un peuple. Vous faites ça pourquoi? Qu'est-ce qu'on vous a fait? Pourquoi faites ça? Aïe. On est mené. 7 occasions de but. 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vous pouvez pas marquer. C'est oh, je vous savais. Mais c'est pas possible. Nicolas, hé Seigneur Jésus, hé Seigneur, les mamans pleurent, hé vous n'allez pas nous faire ça, vous n'allez pas nous faire éliminer au premier tour, non, maman, aïe, le diable est comment, il a comment. Oh, ils sont méchants. Non, je refuse qu'on perde ce match là. Je refuse ça. Non, ils sont méchants. Petite ça, ils sont méchants. J'ai eu c'est. Ça va pas. Tu circules dans Abidjan, il y a dit tout le monde est dehors, tout le monde est sorti. Les gars, partagez la vidéo, donc allez recevoir ça chez eux là-bas. Nicolas Pépé tombe. Nicolas Pépé veut dribbler gardien. Seigneur, mais qu'est-ce qu'on vous a fait? Nicolas Pépé tombe. Hey, maman. Mathieu, voilà ça. Jusqu'à ce que on est sept. Oui, comme vous pouvez le constater, la Côte d'Ivoire vient de perdre littéralement, vous voyez, et une défaite actuellement. Ça crie partout sur la toile. Le général Makosso, il est frustré, bien sûr, vous voyez. Et c'est, ça frise un peu de la pitié au niveau de la Côte d'Ivoire parce que le stade était plein à craquer. Mais malgré ça, les gens sont en train de perdre. Vous voyez, Lolo Boté qui a pris du poids littéralement. Ni Lolo Boté avec Makosso, ils sont en direct. Vraiment, voilà le bourreau de la Côte d'Ivoire, il s'appelle Emiliano Soué ou bien quoi là, le numéro 10 bien sûr
de cette équipe équato-guinéenne, bien sûr, et vous voyez, c'est un peu ça. Et en tout cas, beaucoup, 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 beaucoup de regrets du côté de la Côte d'Ivoire. Makoso qui fustigeait, Nicolas Pépé tombe, 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 tombe. Je vais vous laisser suivre, bien sûr, la suite, bien sûr, de cette vidéo. Et on va continuer tout à l'heure. Moins deux lions, ça fait rien pour nous réconforter. Loulou, on a tout de paix dans notre propre pays. Ça va aller. Non, notre pays devant Seigneur Jésus. Pourquoi vous faites ça dans notre pays? On va perdre chez nous. Chez nous encore. Jamais. Ils n'ont qu'à se débrouiller. Ils n'ont qu'à s'arranger. Mais ce match-là, ils n'ont pas intérêt à perdre ça. Jamais. Moi, j'ai pris Étienne. Mathieu, amenez-moi mon sac là-bas. J'ai mis 2 millions aujourd'hui là. Pour ceux qui, j'ai dit, on va, j'ai dit, oh, Seigneur Jésus, c'est pas possible. Et calme-toi. Tombe, Nicolas Pépé. Ils sont méchants, hein, ils sont méchants. Sont méchants, nous on perd ça là, nous on nous humilie comme ça. Humiliation face à Guinée équatoriale, des mangeurs de pommes de terre. Dans mon sac. Les gars, moi j'ai donné une parole, j'ai respecté ma parole. Moi j'ai donné ma parole, ne pleure pas petite soeur. Moi j'ai donné ma parole, j'ai respecté ma parole. Moi aujourd'hui j'ai dit je donne 2 millions. Voici les 2 millions. Voilà. Je donne les 2 millions, je vais partager ça à ceux qui vont pronostiquer le bon score. J'ai donné ma parole, même si, peu importe, je crois qu'on va gagner. Moi, je crois toujours, je crois. Mais c'est ce que les jeunes font là. Même Dieu a validé qu'on va gagner. Mais si les joueurs sont les sorciers de la Côte d'Ivoire, si ces joueurs-là sont les sorciers de la Côte d'Ivoire, vous avez décidé de nous faire pleurer. Vous avez fait association de sorcellerie. Prenez mon numéro WhatsApp. Prenez mon whistle. C'est pas encore fini, je sais. Je crois. Je donne mon numéro WhatsApp, s'il vous plaît. À la mi-temps, je vous donne 5 minutes pour pronostiquer. Tout à l'heure, Lolo Beauté a un cadeau pour 300 personnes. Ne pleure pas, petite soeur. Ils sont méchants. C'est qu'ils font. On ne peut pas faire. C'est un pays. Il y a toutes les mamans à qui j'ai dépassé. Tous les petits, elles ont payé maillot. On a payé maillot. Maillot pour vous supporter. La réaction de Makoso que vous êtes en train de voir, c'est juste à la mi-temps de cette rencontre. D'autant que la Côte d'Ivoire a perdu un 4-0 et à la mi-temps, c'était déjà 2-0. Likez, partagez.